Salut à tous, aujourd'hui on vous retrouve avec Marion pour jouer à Unmatched Houdini contre le génie puisque eh bien, cette boîte sort ce vendredi. Donc on se devait de faire une partie. Il faut qu'on s'affronte, exactement. Il faut qu'on s'affronte. Ça va être sanglant. Ça va être terrible. Ce qui va se passer ici, ça va être terrible. Vous n'êtes pas prêts. Aucun tour de magie ne sera réalisé en direct. Ouais, ils sont tous réalisés en post-prod. En post-prod. Exactement. Unmatched, c'est quoi? C'est toujours un jeu de robe d'avio. Cette boîte-là se joue à deux, mais c'est un jeu qui se joue jusqu'à quatre si on a eh bien, quatre personnages et si on accepte de jouer par équipe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À partir de 9 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. 20 minutes? Ouais, ça c'est dans les meilleurs des cas. Si tu perds facilement ou pas. On va mettre une petite... un petit 45, je crois. Illustration de Peter Diamond et de Brian Patterson. Incroyable. Et on adore. Moi, j'adore cette DA, là. On est sur une DA très colorée, notamment pour le génie. Surtout pour le génie, ouais. Regardez-nous, regardez ça. Ce deck. C'est joli, hein? Et après, on a de très belles illustrations à l'intérieur, donc dans des tons un peu rose, violet, bleu. Tout aussi joli d'ailleurs. C'est trop canon. Et Houdini, on est dans des tons verts. Moi, j'aime bien. Je trouve, il fait classe. Houdini, il fait classe direct. Alors, Houdini, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un magicien célèbre qui a fait des... qui s'est évadé de trucs improbables, genre... En l'occurrence, de prison. Ouais, genre de prison, ouais. Ils l'ont enfermé dans une prison, le mec, 10 minutes plus tard, il était là. Alors les gars, comment ça va? Je suis au Starbucks, machin, machin. Je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Et puis, ouais, ils l'ont enfermé dans des cages avec de l'eau et tout, enfin bref. Un magicien, quoi. Petit, là, un zinzin magicien, exactement. Houdini, on présente les persos, ouais. Et après on joue. Ok, allez, on fait ça. Faisons ça. Houdini, on est sur un perso qui a 14 points de vie, qui attaque en mêlée, qui a une acolyte qui s'appelle Bess, c'est sa femme, qui attaque également en mêlée et qui a 5 points de santé. Et capacité d'Houdini, c'est... Lorsque vous effectuez une action manœuvre, c'est-à-dire de déplacement, et que vous la boostez, c'est-à-dire utiliser une carte pour améliorer son déplacement, eh bien, vous pouvez placer Houdini sur n'importe quelle case du lieu du plateau. Voilà, le mec, il se téléporte, évidemment, c'est un magicien. Et sinon, ses déplacements classiques sont de 2. Ensuite, nous avons le génie qui a 16 points de vie, qui attaque à distance, donc c'est-à-dire dans la même zone. Sur les mêmes couleurs, ouais. Mêlée, ça veut dire côte-côte. Il se déplace jusqu'à 3, donc il se déplace pas mal aussi. Il n'a pas d'acolyte, il est solo, il est seul tout. Et sa capacité, au début de votre tour, vous pouvez défausser une carte pour gagner une action. Le mec n'a pas notre temps. Figurez-vous que nous avons décidé avec Marion de tirer au sort le personnage que nous allons jouer. Et le tirage au sort, figurez-vous les amis, qui va se dérouler là, tout de suite sous vos yeux. Ça va aussi définir qui commence. Non, qui commence, c'est la plus jeune. Non, qui commence, j'ai mis au hasard les persos sur le plateau. Ah, si tu veux, ok, d'accord. Donc, ça sera le génie qui commence. Ok. Mais sinon, j'aurais bien accepté de commencer. Hein. Elle mélange. Je mélange, tu ne sauras pas. Attention, suspense. Je veux bien celle-là. Oh, c'est le génie qui commence et c'est Marion, le génie. Donc, récupérons nos decks. Est-ce qu'ils sont mélangés? Oui, je les ai mélangés en début de... Mais on peut... Ouais, on va faire une repasse. T'as raison. Ok, j'ai Houdini. Alors, moi, j'ai l'impression
que Houdini est un personnage insupportable, un peu à la Sherlock, un peu moins insupportable que Sherlock. Elle va me filer entre les doigts, tout le monde l'a partie. Je suis désolée Marion, par avance, parce que je pense que je vais être insupportable. Je dis pas que je vais gagner, et je pense que je vais être insupportable. Et ben, j'avoue que ce sera moi qui pourrais dire quel affreux personnage celle-ci, du coup. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez apprécié, enfin certains ont apprécié mon expression affreux personnage que j'ai dit à Marion du long de, je sais, c'était quoi, c'était à Mindbug. C'était Mindbug, je crois. D'affreux personnage. Ah, mais ça va. Écoute, tu pourras. Je suis encore là, c'est que ça se passe bien. D'affreuses personnages. On n'a pas présenté le plateau qui est une petite particularité. Oui, c'est vrai, aussi. T'as raison. Parce que, ben exact. Oui, on vient de mettre en effet le zoom sur le plateau. Et il y a des petits cadenas là, ouais. Sur différents emplacements. Et ben c'est tout simplement parce que une case qui a un cadenas amènera vers un passage secret d'une autre case. Donc je peux d'ici terminer à là, sans problème. Oui. Donc oui, non seulement on est sur des personnages qui ont des déplacements assez libres, notamment Houdini qui fait, je vous le rappelle, un peu ce qu'il veut, et le génie qui se déplace assez loin. Et en plus, on a ce plateau qui a des passages secrets, donc qui va nous permettre de nous déplacer de façon assez, assez vénère. Je n'ai pas placé Bess, mon acolyte. Il faut que je la mette dans la même zone que moi. Je vais la mettre... Je vais la mettre. Ah, mais ça, c'est fermé, cet endroit. Je vais la mettre là. Ok. Enfin, c'est fermé. Non, parce que... Oui, enfin, ici, ça fait une boucle, mais ça ne va pas vers là-bas. Ouais. Il y a quelque chose que tu as en plus, parce que tu as une petite particularité, c'est-à-dire que tu vas jouer avec Houdini. Et ouais. Toi, quand tu vas booster... Oui, c'est vrai. Tu as certaines cartes, vous allez le voir, qui vont être insupportables. Qui, avec une valeur de boost, vont faire une action supplémentaire. Ouais. On part du principe que tout le monde connaît un match, mais en vrai, ça va. Oui, bah alors pour le petit pitch rapide, dans un match, nous affrontons. Le but du jeu, c'est de réduire les points de santé de son adversaire à zéro. Me concernant, enfin, moi j'ai deux personnages, mais si Marion élimine Houdini, c'est finito, j'ai perdu. Pas besoin de tuer Bess pour avoir gagné. Et pour ce faire, eh bien, on va jouer des cartes, appliquer leurs effets. Il y a notamment trois types de cartes différents. Il y a les attaques qui me permettent d'attaquer. Il y a les défenses qui me permettent de me défendre face à une attaque. On va comparer les valeurs d'attaque et de défense pour voir qui gagne le combat et qui perd des points de vie. Et nous avons aussi des cartes d'attaque et de défense qu'on peut utiliser soit dans un cas, soit dans l'autre. Et enfin, nous avons les stratagèmes qui sont des effets un peu particuliers. À notre tour, on peut jouer deux actions entre... On est même obligé d'en jouer deux. Enfin, oui, c'est vrai, c'est exact. On est obligé de jouer deux actions. On peut jouer des cartes. Ou alors, on peut se déplacer sur le plateau, ça veut dire faire une manœuvre. Voilà, donc je peux d'abord me déplacer, puis jouer une carte, jouer deux cartes, ou alors jouer une carte, puis me déplacer. Je fais bien à ma guise. Exactement. Est-ce que c'est tout? On a cinq cartes pour manœuvre, attaque et stratagème. On a cinq cartes pour commencer. On est sur des personnages qui attaquent de façon assez... c'est pas les plus bourrins qu'on ait connus. Hein, Non, ça va. Je crois que les attaques max, c'est 4. Je n'ai pas fait trop attention. J'ai surtout regardé... Moi, j'ai regardé, je crois que c'est 4 max dans les deux decks. Il y a une autre chose, mais j'ai l'impression que ça peut arriver très vite, finalement, avec Houdini et le génie. C'est qu'on peut également épuiser son adversaire à la pioche. Vrai. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, quand on doit faire des manœuvres et qu'il faut piocher, au lieu de piocher parce qu'on n'a plus de cartes et que donc du coup nous ne pouvons pas remélanger notre défausse, on perd 2 points à chaque fois qu'on doit piocher. Autant dire, faire mourir son adversaire comme ça, quoi. Oui, parce que ce que j'ai pas dit en plus, c'est que quand on fait une manœuvre, donc manœuvre, je vous ai dit que c'était pour se déplacer, mais ce n'est pas uniquement pour se déplacer, c'est aussi le seul moyen qu'on a de pouvoir piocher. Alors... Eh bien, d'ailleurs, je vais commencer par faire une manœuvre. Donc, je suis obligée de piocher.
Ouais. Et ensuite, je me déplace, ou non. C'est vrai que c'est pas obligatoire. Jusqu'à la valeur. Et là, en l'occurrence, je vais faire... T'es sûr du gris ? Je vais donc faire... 1. Oui. 2. 3. Ouh là là, c'est terrible. On va tenter, parce que je sais pas ce que t'as dans les mains et que tant qu'à faire, allons-y tout de suite. Elle va m'attaquer. Exactement. Elle est folle, celle-ci. Se prendre un risque, hein. On verra bien. Je vais la mettre là. Donc, elle choisit de défendre ou pas. Et selon, on va voir ce qui est marqué sur les cartes, tout simplement. Alors, je vais utiliser... je vais commencer à être insupportable. Je vais utiliser cette carte et je mets cette carte parce que... Il va se passer un truc, les gars. Donc, on retourne la première, en effet. Tu utilises la carte « Avoir plus de vœux ». Ouais. Qui a un effet après combat. Moi, j'utilise la grande évasion, qui a un effet pendant combat, qui est que je peux booster ma carte. Ok. Je booste. Alors, mon boost, c'est de 1. Donc, j'arrive à 3. Ok. Donc, tu pars mes coups. Et en plus. Et en plus, j'inflige 2 dégâts à n'importe quel combattant. En l'occurrence, The Jenny. Ensuite, eh bien, après combat... On fait d'abord mon effet ouais. À si moi. Si vous avez remporté. Donc, on considère que j'ai remporté dans le sens où... T'as annulé mes effets. Tu n'as pas réussi à me faire perdre de points. Placez votre combattant sur n'importe quelle case. Donc, je vais pouvoir me déplacer. Et après, nous ferons l'effet du génie. Est-ce que je me déplace? Je pense que oui. Je vais me déplacer pour pouvoir attaquer comme ça, vite teuf. Et partir en loose dé après, sans doute. Ok, et ensuite, votre adversaire pioche une carte et vous piochez 3 cartes. Ouais. Ma foué. Alors, en boostant, moi, eh bien, je perds la carte, hein, évidemment. Donc, c'est cool, mais en même temps, je pourrais pas la jouer plus tard. Donc, voilà, quoi, c'est comme ça. Mais Marion me fait piocher, ce qui est plutôt stylé, en vrai. Sauf que... Je termine mon tour. Et à la fin de mon tour, il faut que j'ai 7 cartes en main. Oui, exact. Bah, j'en ai 8. T'en as trop. Et 8, c'est maximum 7 cartes. Merci, Marion, pour ton honnêteté. Ouais, c'est ouais. Beau à voir. J'ai défaussé. J'ai pas pleuré, j'ai juste défaussé. Ok. Et c'est à moi. C'est à moi. Bon, du coup, t'es adjacente, parfait. Ouais, je suis adjacente, donc je peux directement t'attaquer. Je vais t'attaquer. Ok. Tac. Donc 3 à 2. Ce qui fait que je perds 1, sauf que pendant le combat, vous pouvez booster cette carte. Tu veux la booster ou pas? Non, je la booste pas. Je n'ai pas préparé de carte sur le conseil. Mais j'aurais pu, ouais. Et donc, tu perds un point de vie parce que la différence, c'est 1. Consultez la main de votre adversaire et choisissez une carte dont il doit se défausser. Bon, c'est terrible, ça. Oui, c'est parfait. C'est drôlement méchant. Merci. Ça me permet aussi de regarder un peu ce que tu as en main. Hein. Ouais. Mm-hmm. On va pas faire ça. Donc, vu que de toute façon... On va les connaître. Ben, tant qu'à faire, autant ne pas te faire défausser baisse, parce que si vous défaussez cette carte en raison d'un effet adverse, piochez une carte. Autant dire que ça ne servira à rien. Là, j'hésite. Mais je pense que je vais te faire défausser celle-ci. Qui est une carte de défense. Celle-ci ou celle-ci? Celle-là, là. Ah, pardon. Bah, défense et attaque. Défense et attaque. Et tu pourras échanger la position entre Bess et Houdini. Ouais. Là où, si votre combattant a été vaincu, jusqu'à... Moi, j'ai encore une action pour ce tour. Je vous le rappelle. Enfin, je le rappelle à Marion aussi. Quoi ? Mais elle est hyper bien en fin de game, celle-là. Tiens, tu défausses ça. Donc, c'est une carte qui dit « Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Après le combat, si votre combattant a été vaincu, ajustez sa santé sur 4 à la place et placez-le sur n'importe quelle case. » C'est terrible. Mais j'en ai 2 des comme ça. Il y en aura une à un moment donné qui reviendra, ouais. Ok, attends, il me reste plus que 2 cartes. Mmh. Oh là là. Tu peux faire une manœuvre ou attaquer? Je fais une manœuvre. Donc, je pioche. Et je me casse.
Mais bon, je peux pas me casser bien loin en même temps. Tu peux tenter de fuir. Bah après, je pourrais, je vous rappelle, ma capacité me permet de booster mon déplacement et de me placer là où j'ai envie. Mais est-ce que j'ai envie d'encore me défausser une carte? Non. Honnêtement, je n'ai pas envie. Donc, je me casse, tranquillou bibou. Ou alors, je me casse carrément pas parce que de toute façon, là, tu peux m'atteindre. Donc, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Je reste là. Tu peux assumer. J'assume. Ça fight. Dis-moi. J'ai déjà oublié ce que tu avais comme carte. C'est ado, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ici. J'en ai marre. Prochain pouvoir dans notre match, se souvenir des cartes de son adversaire. Place. Allez, oh, j'ai pas défaussé ça, pardon. On attaque, hein. T'attaques ? Ouais. Bim ! T'attaques qui ? Parce que tu peux attaquer... C'est vrai, je pourrais attaquer Bess, mais non, j'attaque Houdini. Et l'autre ? On est tranquille dans son coin, pour le moment, elle m'embête pas. Pouch ! J'ai une valeur de 4. Donc dis tu perds 2. Je perds 2, en effet. Touk. Ok. Vas-y, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat. Et déplacez-le de 3 cases au maximum. Vous pouvez le déplacer à travers les cases occupées par les combattants adverses, chose qui est normalement impossible à faire. Et je peux te faire prendre des chemins de traverse, I guess. Oui. Donc, tu vas sortir de ma zone. Ah, mais de toute façon, là, t'es déjà plus dans ma zone. Si. Bah non. Non, c'est du bleu. Non, non, non. Je recule que là. Je réfléchis, peut-être en vrai. Ah, ou alors je te mets là. Après, comme ça. Je t'attaque et je me casse comme ça. Je te pique comme ça et je me casse. Je vais faire ça. D'accord. Bon, moi, mon effet n'a pas lieu. C'est si j'avais perdu, j'infligeais un dégât à un combattant adjacent adverse. Oh, dommage. Too bad. Mais t'en as plein, des comme ça. Bah, j'en ai 3. Donc il m'en reste plus que 2. C'est beaucoup, hein. T'es à moi. Non. Bah, j'ai juste madame. Attaqué une fois. Quoi ? J'ai juste attaqué une fois. Ah, pardon, c'est vrai. Merde. Je fais une manœuvre. Bon, ça va. Enfin, ça va, non ? Qui est insupportable ici ? Bah oui, je me casse. Bah oui, je me casse. 1, 2, 3. Allez. Bah super. Viens maintenant. Mon petit plan. T'as voulu que je parte ? Je suis partie. Tombe à l'eau. Ah ouais, en plus, tu te mets loin. Ok, bah écoute, ça part en manœuvre. Je pioche. Je pioche et je... Oh là là, dis donc. Elles sont quand même sympas, hein, ces petites cartes. Je pioche et je joue. Je joue, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Oh, quel stratagème ! Piocher 2 cartes et gagner une action. Okay. Donc, j'ai encore le droit de jouer. 2 actions. Ah, c'est mais quoi, j'ai oublié de me déplacer. Tant pis, c'est pas grave. C'est con. Si un effet devait permettre un adversaire. Ok. J'ai oublié de me déplacer. Ah, ce tu veux le faire fait. Non, je suis pas une grosse tricheuse, moi. Ce qui fait que je pioche. Enfin, c'est pas pour dire que t'es une tricheuse. Tout de suite, elle crie au scandale. Moi, mais... juste t'as dit que tu faisais une manœuvre pour te déplacer. Tu l'as pas faite. Je te le... Voilà, c'est tout. Je fais donc une deuxième manœuvre. Et cette fois-ci, est-ce que j'oublie de me déplacer Après, tu peux oublier volontairement. Hein. Je peux oublier volontairement. Ça peut être une volonté de ma part. Ben, en fait, je vais rester là. Tu sais quoi ? Parce que tu viendras me chercher, hein. Ou je viendrai te chercher. Ouais, plutôt, ouais. Plus tard. Mais vas-y, fais tes manœuvres tranquillou. Je fais pas de manœuvres, moi. Tu fais pas de manœuvres ? Mais non. Tu fais des stratagèmes. Tu vas faire des stratagèmes. Non plus. Mais tu peux pas m'attaquer, madame. Mais je suis à distance. Ah si, ben non, tu peux pas m'attaquer. Et le jaune là, c'est pas le même jaune que bah là. Bah non, c'est pas.
J'avais pas vu que c'était trois. Ça va, hein? Regarde, moi, de mon point de vue, c'était caché par cette grosse figurine. Alors, pour les gens de mauvaise foi comme toi, arrête! C'est terrible ce qui se passe ici. On peut retourner le plateau. Et au lieu que ce soit la couleur à l'intérieur, c'est la couleur à l'extérieur. Oh là 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 là. Ma pauvre Bess va en prendre plein la tête. Juste parce que je n'ai pas ouvert mes yeux. Mmh. Tiens le coup, Bess. Ça va bien se passer. Alors ? Bah quoi ? Deux secondes. Assume. Tu veux attaquer ma femme. Ouais. Ma femme. Qu'est-ce que quand je on pense qu'elle aurait pu se déplacer deux fois, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Ah oui, c'est ça le truc. Adieu, Bess. Non, mais tout de suite. L'assistance va disparaître sous vos yeux. Alors, on rappelle que Bess, elle a 5 points de vie, hein, et que j'ai pas des cartes qui vont jusqu'à 5. L'assistance va disparaître sous vos yeux. C'est la meilleure blague. C'est hilarant. Je valide, mais non, c'est pas pour ce tout de suite. Ce tour de magie n'est pas pour tout de suite. Je le prépare pour plus tard. Oh, tu vas sacrifier ta femme? Ma femme? Ouais. Pas sûr, non. Pourquoi vous voulez que je sacrifie ma femme? Pour plus tard, Ah bah un jour, oui, un jour je vais la sacrifier, ça c'est certain. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Je sais plus ce que j'ai mis. J'hésite. Moi, je mets ça. Mais je sens que j'ai été trop fort. Ok. Ah non. 3-3. Donc, bah voilà quoi. Après le combat, placez le génie sur n'importe quelle case vide. Infligez un dégât à chaque combattant adjacent. Bah super. On adore. Allez, on va revenir là. Pauvre Houdini. Qui prend cher. Il a pris que un. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Et du coup, il va reprendre. Il va en reprendre dans sa tronche. J'avais peur avec tous ces déplacements-là, facilités. Est-ce que je reste près de toi ou pas ? On joue un peu trop au chat et à la souris, mais ça va. Tu as des déplacements de deux, c'est ça ? Ouais. On va rester là. On va jouer ça. Immédiatement, annuler tous les effets. Mais moi, je voulais bien piocher, mais bon, toi aussi, ça te disait bien. Bref, je prends un dégât. Oui. Je peux pas piocher, du coup. Et tu peux pas piocher? Non. Désolé. J'avais un petit peu misé dessus, c'est pas grave. Eh oui. Ton tour. C'est à moi. Bon, je vais t'attaquer. Je sais pas. T'as beaucoup? T'as une grosse attaque, là, ou pas? Je te dirai pas. Attends, je... Ah. Non, mais voilà, t'as joué. Tu boostes? Je booste. J'aurais pas joué ça si tu boostes. Mais est-ce que t'es censé savoir que non, je vais booster? Non, normalement, non. Je crois pas. Je crois que tu boostes pendant le combat. Pendant le combat, oui, vous pouvez booster juste cette carte jusqu'à deux fois. Bah, moi, je fais all-in. J'ai plus de cartes. Ok. Ce qui fait 2 plus 1 plus 2, 5. Et je pars 2 seulement. Attaque à 5. Je me suis dit, c'est le moment là. Non, mais pas de problème. Plein de points. Pas de problème. Après le combat, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adjacent. Oui, bah, perds un point. Bah, c'est coquinou, ça, dis donc. Petit à petit, Houdini est détruit. Hein. Mais ça va, tranquille. Et ensuite, moi, après combat, je peux renvoyer dans ma main une carte avec laquelle j'ai effectué le boost. Donc, je suis très heureuse. Je vais utiliser, je vais garder cette carte. Et ça part en effos. Et moi, je pars en manœuvre parce que là, c'est-à-dire que je suis à poil. Je me casse. Même si vraiment ça sert à rien parce que tu es toujours à ma portée. C'est vrai. Mais bon, j'ai une illusion de protection. Genre, j'ai fait une petite course comme ça. À faire une petite manœuvre. D'accord. Bah oui, c'est vrai, tu voulais piocher tout à l'heure. Oui. Mais non ! Bon, alors attends, je me déplace. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, ici, ils sont pas adjacents, là.
Et on va faire un autre truc. Mm-hmm. Une deuxième manœuvre. Mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'on a des pouvoirs. Hein, Yellow France, il glisse dans les oreillettes, là. Je sais, mais j'ai l'impression que je dépense énormément de cartes, déjà. Et je fais... Tac. J'aime bien le lot. En toi. Ok. Et Marion, elle peut aussi... Elle peut aussi faire une action supplémentaire. Ouais, mais je veux pas défausser de cartes. Mais pour on est dans la faire même une action. C'est la même config. No way avec les cartes que j'ai, c'est impossible. Je fais une manœuvre. Mm-mm. Je pioche, puis je peux me déplacer. Mais je bah, le pouvoir du génie, oui et non, hein, parce que le problème, c'est ce que je disais. En fait, on nous demande si le pouvoir du génie n'est pas un peu cheaté. Le fait de défausser une carte pour gagner une action, si j'ai plus de cartes, tu perds de la vie. Hmm. Donc ça peut, mais tu passes pas ta partie à le faire. Une manœuvre gratuite par tour pour résumer. Bah non, bah, pas gratuite, vraiment, non. Que... C'est quand même précieux, hein. C'est un peu le compteur de temps, notre deck de cartes. Donc, si ça s'épuise, c'est pas ouf. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une manœuvre, je me suis déplacée. Attends, tu t'es déplacée comment, là? Bah, j'ai traversé Bess. Ah, oui, c'est vrai. Parce que c'est, oui, oui. C'est possible. Oui, oui. Et je refais une manœuvre. Parce que j'ai beaucoup défaussé. Donc, je souhaite... tu l'as compris. Bref. Et je vais bloquer aussi des petits passages secrets. Ok. Voilà, c'est une petite strat comme une autre. Attends, non. Si. Si tu te déplaces de deux, c'est bon. Voilà. Non, je réfléchissais si j'allais sur un autre passage secret. Genre ici, là, là. Mais non. Ok. D'accord. Ça fait tes deux manœuvres là ou ouais. Qu'en est-il? Ouais, ok. Bah, t'es sur une cale rouge? Ah là là. Oh, je suis nulle. Allez, tu peux. Erreur du joueur de la joueuse française. Tu m'attaques? C'est oui. Ce que t'es en train de faire. Hein, bien je sûr. Suis pute. Bien sûr, bien sûr. Allez. Alors, déjà, je perds une vie. Je n'ai pas souhaité booster la carte, même si j'aurais pu. Si vous avez remporté, non. Donc, il ne se passe rien. Ouais. Après le combat, vous pouvez vous défausser de deux cartes pour infliger deux dégâts à un combattant adjacent adverse. Bah si, du coup. Mais tu n'es adjacent. Pas... adjacente. J'ai ça. Quoi? Comment ça? T'as ça? Bah, non, mais en fait, adjacent, c'est côte à côte. C'est bah pas, ouais. C'est pas... Du coup, tu peux pas. C'est pas... C'est mon premier move? Je peux pas. Parce que tu vas avoir un deuxième move? Bien sûr. Je veux voir. Qui est une manœuvre. D'accord. Voilà. Il en faut bien. Et on va faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Attends, tu peux venir près des... serait-elle prise à son propre piège? 1, 2, 3. All right. Peut-être je fuis. Je reviendrai. Elle est drôle, cette carte. Je vais faire une manœuvre déjà pour pouvoir me déplacer. Je vais faire un truc. À tout moment, on peut regarder les défausses. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde. Tu vas me mindbug. Non, ça marche pas. It's not le bon jeu. Tu vas jouer un pilleur des tombes ou quoi? En fait, je vais faire deux manœuvres. D'accord. Excusez-moi, hein, mais bon, ça arrive à tout le monde. Hein. Et je ne vais pas me déplacer. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok. Voilà, je sens que tu es heureuse. Parfait. T'as combien de cartes en main? 5? J'en ai 5, ouais. Ça te fait peur? J'en ai 5.
C'était ta première manœuvre ou tu viens de faire les deux? J'en ai fait deux. D'accord, t'as pioché deux. J'ai pioché deux. Ok. Au niveau des points de vie, Houdini a 8, Bess a 5 et le génie a 10. Non, bah, pia, t'as plus que moi. Oui, enfin, Bess, pour le moment, tu l'as pas utilisé. Hein. Bah oui, c'est vrai. Tu vas voir, quand elle va venir m'attaquer, je vais rien comprendre. Peut-être. Je fais une manœuvre. Peut-être je vais me déplacer. Peut-être bien. Ouais, je vais me déplacer. 1, 2, 3. Là. Et j'attaque. On nous dit que Beth regarde son mari se battre sur scène en mangeant des pop-corn. Eh bien, je prends les dégâts. Donc, tu prends 2. En effet. Et je suis deg parce que normalement, ça a annulé tous les effets de la carte de son adversaire. Mais il n'en est rien puisqu'il n'y a pas eu de défense. Ok. Houdini à 6. C'est à moi. Ouais. Allez, viens. Bah, toi, viens, si t'es un homme. Viens, c'est-à-dire que... Voilà, quoi, c'est pas évident. Je vais jouer... enfin, Bess... Allez, ça y est. ...va jouer un petit stratagème qui consiste à piocher 3 cartes et placer l'une des cartes de ma main sur le dessus du deck. Ah, donc tu peux te débarrasser et remettre ce que tu veux, ouais, tranquille, c'est ça. Pour plus tard, quoi. Exactement. Allez. Attends, il faut que je réfléchisse à ce que je faille. Tout dame. Bah, je vais mettre ça au-dessus du deck. Et deuxième partie de mon plan machiavélique. Bah, j'ai pas trop le choix, hein. De toute façon, vu que je peux pas t'attaquer, donc je suis obligée de faire une manœuvre. Tu vas la récupérer, quoi. Oui, c'est ça. Le truc qui ne sert à rien. Et je me déplace. Pouchi. Ici. Vas-y. Ah, tu fuis. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, pleurer. T'as combien de cartes en main, là? 7, j'ai 8, 12? 7 cartes. Je suis au max. Je suis au max de ma vie. Ouais. T'es sur du brun. Et là, je peux pas le rejoindre. Si, je peux le rejoindre. Allez, on va faire une manœuvre. Un, 2, 3. Et je t'attaque. Ah ouais? Bah oui. T'attaques qui? Je Bess peux ou attaquer Houdini. Je suis sur du brun, bah, là. Tu peux attaquer Bess aussi? Non. Ah si, sur du bleu. J'ai rien dit. Mais j'aime bien Houdini. Attends 2 secondes, il faut que je choisisse la carte que je veux jouer. Ok. Oh, pardon. Je viens de lire une carte et je vais pas la jouer maintenant, mais ça aurait pu être drôle. On va faire ça. Houdini et Bess peuvent échanger leur position. Ouais. Mais il n'en est rien. D'accord. Après le combat, si vous avez remporté, c'est pas le cas. Vous pouvez défausser 2 cartes pour faire une action. Je l'aurais pas fait. Ah. Ok. Allez, je veux juste regarder. Ah, je suis... C'est dommage, oui. J'aurais dû jouer la carte. J'aurais dû. Tant de regrets. J'ai fait quoi? Un déplacement et une attaque. Donc t'as fini tôt. Ouais. C'est à moi. Purée, mais t'es pas à côté de moi, hein, toi. Bah si, tu fais 1-2. Bah, ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un petit trait. Donc je fais une manœuvre. Pouf, pouf. Et je t'attaque. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah me défendre. Elle booste en plus. Alors, figure-toi que je t'offre l'opportunité, puisque immédiatement, mon adversaire peut booster. Ah, immédiatement, ça veut dire que... Ah, moi, je peux booster. Ouais, tu peux booster ta défense.
Okay. Je t'offre une opportunité. À toi de la saisir si tu le souhaites. Ouais. Sachant que moi, juste après, je vais révéler mon boost, mon propre boost. Donc, je passe à 2, défense. Et moi, j'ajoute 2. Et j'ajoute un effet de boost qui est consulter la main d'un adversaire et choisissez une carte dont il vient se défausser. Oh, la petite technique, regardez. Bon, alors, pendant que tu fais ça, du coup, oui. Donc tu m'attaques avec 4, je me défends de 2, donc je perds 2. Par contre, le génie récupère 4 points de vie. Ouais. Je repasse à 12. Donc, on a la même carte qui lui permet de récupérer 4 points de vie, qu'elle a en 3 exemplaires par ailleurs. On a un... Après le combat, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adjacent. J'en ai déjà fait les frais plusieurs fois. Et pendant le combat, la valeur de carte de votre adversaire est égale à sa valeur de boost. Ce qui est chiant en vrai. En fait, si, j'ai compris. Je perdais pas que 2 points, je perdais 6 points. Moins 2, donc je perdais 4 points. Oui, tu perdais 4 points. C'est pas ce perdu... que t'as fait ? Non, j'en ai perdu que 2. 10 moins 4, 6. Ah ouais, d'accord, ça essaye de... Les deux que t'as parlé, ça fait 8. De tricher. C'est bon. Tu sais quoi ? Je non, vais c'est bon, j'ai rebaissé 2. Ok. Non, 6 moins 2, puisqu'elle s'est défendue de 2. Ça nous fait 4. Ça fait 4. Et, après, je 4, remontais vrai, de 4. Elle reste au même niveau. Là, et j'étais à 10 ou j'étais à 8 du coup ? C'est que t'as pas eu une seule fois la carte maîtresse du génie. Je sais. Je sais que je l'ai pas vu passer. Alors, attendez, parce que... Ah oui, bah c'est moi, c'était mes deux actions. On a juste... J'étais à 8 ou j'étais à 10 ? J'étais à 10. J'étais à 10. Avant le combat, t'étais à 10. Donc tout s'annule, donc je reste à 10. C'est bon. Nous avons bien... Elle était encore à 10 ? C'est phénoménal ce qui se passe ici. C'est phénoménal. Bon, t'as pas de chance, maman, t'as pas de chance, elle est à 10 quand même. Je vais piocher pour avoir ma stratagème. Toujours pas. Alors, par contre... attends. Ouais, j'attends. Je suis à toi. 1. Quand tu veux. 2. 3. Pas maintenant. Et je refais une manœuvre. Mm-hmm. Ouais, on regardera le replay et on verra que j'ai triché. Ouais, j'avoue. Ça va être terrible. Sera annulé, il faudra en refaire une, tout ça, tout ça. Sinon, vous pouvez retourner en arrière. Est-ce que je me défausse ? Est-ce que je bouge encore ? T'es où, là ? T'es près de... Je suis près du puits. Vas-y, je reste là. Ok. C'est à moi. Je fais une manœuvre. Et est-ce que je peux... Ah ouais, je peux venir avec Bess. Pouchi, pouchi, pouch. Ok, ça part en attaque. Bess, attaque. Elle est énervée, Bess. Attaque sur puissance. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, je joue une fioriture qui me permet de booster cette carte. Je booste... Avec un tour de passe-passe, 3 plus 3, 6 attaques surpuissantes. Tu peux piocher une carte. Et en plus, je pioche une carte. 6, là où moi je pars 2, donc je prends 4. Oui, 4, bim, bim. Peut-être qu'elle a envie de pleurer. Paf d'ailleurs. Après le combat, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adjacent, tu perds un point. Bess, faut pas la chercher. Vous pouvez infliger un... Bah écoute... Franchement, je le prends volontiers. Oui, je prends. Après tout on ce que... On me dit dans l'oreillette que 10 moins 4 égale 11. Vous musez. Et du coup, j'ai joué, moi. J'ai joué. Je suis coincée, au secours, je suis coincée. C'est vrai que Mozini, il n'est pas là pour rigoler, hein. Mais baisse non plus. C'est vrai que je vous ai dit qu'ils attaquaient à 4 max, mais c'est sans compter. Attends. Les boosts. Non, je ne les fausse pas. Manœuvre. Vas-y, ça manœuvre. 2. 3. Ouais. Soleil. Et on va faire une deuxième manœuvre. Yann rigole bien en tout cas. Il a commencé à rigoler avec un haha.
Puis, il a continué avec un ha-ha-ha. Ce qui nous fait un, qui un fait total que mal. De ha-ha-ha-ha-ha. Ah, j'en ai fait un trop. Et Marine répond blablabla. Ils sont fatigants, franchement. Qui les a invités? Ça part en manœuvre, puisque tu me laisses guère le choix. J'ai fouillé. Manœuvre. J'ai fouillé. Alors, je pourrais booster attends, mon manœuvre, fait supprimer ma manœuvre mon truc, là. Pour pouvoir m'approcher. Bah, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Je vais booster ma manœuvre. J'utilise le... Bah oui. L'effet de boost qui me permet de récupérer 2 points de vie. On y va, tranquille. Hop là, ça part. Et ça part en... À l'autre bout du plateau. Youpla. Ok. Et là, je suis prête pour une nouvelle attaque surpuissante. Non mais Marie, on le doute depuis le début, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez... Attendez, je réfléchis, je sais toujours pas quelle carte je vais jouer, mais je sais que j'ai envie d'attaquer, ça c'est sûr. Ouais, je sais pas quelle carte t'as envie de jouer, mais moi j'ai 2 cartes. T'as que 2 cartes? Donc t'es pas sûr. En fait, non, j'ai 2 bonnes cartes pour défendre, mais je sais pas laquelle utiliser. Tu veux demander l'avis du public ou quoi? Ça va, je m'en... Si je perds, ça sera grâce à moi, à cause de moi. Ah, ok, ça part, ça part. Baf, pour jouer 3 actions, il faudrait que j'en défausse une. Donc, moi, je veux bien, mais peut-être j'ai pas envie de défausser les cartes que j'ai en main. Tap, tap, tap. Regarde mes cartes et tu verras que je tape pas fort. C'est bon, Lorraine, elle sait tout de qu'est-ce qui va se passer maintenant. Tap, tap, tap. Déjà, j'essaye de me défendre. Allez, on va faire ça. Surpuissance. Mais je me fatigue moi-même. Hein. J'attaque avec la grande... Je veux pas défendre avec celle-là, finalement. Qui me permet de booster ma carte 2 fois. Ah, mais non, j'ai perdu, c'est bon. Donc, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Ça fait 6. Allez. Oui, mais tu te défends quand bah même. Bah oui, mais que de 2, donc je perds 4. Non, mais t'as pas perdu, t'as commencé non, à dire bah, j'ai perdu, moi. Je suis juste à 2, moi, quoi. J'y ai cru 2 secondes que j'avais gagné, non, madame. Non, t'as pas gagné. Par contre, après le combat, consultez la main de votre adversaire et choisissez une carte dont il doit se défausser. Bon, c'est très méchant, ça, madame. Baf. Et moi, mon après combat, c'est que je renvoie dans ma main une carte avec laquelle j'ai boosté. Tu et d'ailleurs, je sais. Tu t'enlèves celle-là, pas... il t'en restera une déjà. D'accord. Je vais me remettre ça dans ma main. Hop là. Mais j'en défausse hein, des cartes, hein. C'est phénoménal. Ma pioche, elle se vide à une allure. C'est terrible. Faire que je sois encore plus agressive. Ouais. Ouais, s'appauvrit. Hein. Ça s'appauvrit grandement. Parce que toi, ta pioche, elle est vraiment beaucoup plus remplie que la mienne. Hein. Oui, d'ailleurs. On va fuir. Hein. On va faire une manœuvre. Attends, attends, attends. Déjà, attends. On défausse une carte. Vas-y. Tu te moques, là? Non. Ah, tu te rajoutes une action? Oui. Ouh. Donc, je commence par une manœuvre. Ça va faire mal. 1, 2, 3. Ensuite, oui. Je refais une manœuvre. Ouais. Allez, on va faire 1, 2, 3. Et enfin, tu vas me faire un stratagème à la con, là. Je le sens. Non, je fais une manœuvre. Ah non, ok. Et tu cherches ton stratagème à la con. Allez, c'est ça, en tu fait. Tu sais quoi? Je pense que j'en ai 3 et les 3, elles sont... T'es à la recherche de ton stratagème à la con. Je vais mettre... Est-ce que je me prends piège toute seule, là-bas? Ou... Le problème, c'est que Bess est beaucoup trop proche. C'est vrai que Bess, elle t'a un peu trop mal tout à l'heure. Je fais une manœuvre. Il te reste beaucoup trop de cartes. Alors,
je suis pas capable de défausser encore pour. Je vais faire deux manœuvres. Vous savez quoi? Et je vais pas me déplacer. Attends, la première manœuvre, tu te déplaces pas? Non, je me déplace jamais. Ok. 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 Ça part comme ça. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Deux manœuvres, elles se déplacent pas. Ouais. Ok. Bah ouais. Tu m'énerves. C'est tout, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc je fais une manœuvre. Oui. Enfin. Un, deux, trois, quoi? Je regrette un peu mes choix, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Ça arrive. Souffle. Un souffle intense. Mais peut-être j'ai perdu au tour prochain. Ou peut-être je me suis refaite, je sais pas. Ça dépend. Qui sait, finalement, qui sait. T'as combien de cartes en main? J'ai 4 cartes. Allez. Qu'est-ce qui va? Je signe ma mort parce qu'elle va me mettre des coups dans les dents et j'aurais perdu, mais c'est pas grave. Oupsie. Donc tu perds. Je perds un point. Choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 3 cases au maximum. Mm. Vous pouvez le déplacer à travers les cases occupées par les combattants adverses. Et toi, ça sera quoi? Vous pouvez vous défausser de 2 cartes pour infliger 2 dégâts à un combattant adjacent adverse. Ok, bah je vais pas me mettre à côté de toi. J'ai bien fait de lire. Alors, bah écoutez, je vais me mettre là. Mais quoi? Elle fuit. Oui. Mais pas trop non plus. Point trop non. Je peux défausser 2 cartes. Bah du coup, j'ai plus d'intérêt. Bah non, tu vas pas le faire. Allez. C'est à moi? Ouais. Ok, je fais une manœuvre. Je me déplace ici et j'attaque. Tu peux la jouer à pique-nique douille? Tu peux la jouer à pique-nique douille, c'est toi l'embrouille. C'est pas ça du tout. Vous êtes horrible dans les coups. Ne va pas vers la ligne. Ils sont trop méchants. Mais je sais pas, j'ai pas de. Allez. Je tente. Peut-être j'ai perdu là. Évidemment. Mais non, c'est toujours... Mais pourquoi tu boostes? Parce que je peux toujours booster 4 plus 2. Ah 4 plus 2. Mais non, mais c'est bon, et j'ai non, perdu. Ça marche pas. Parce que même si je récupère. Not enough. Attends. Ah bah. C'est immédiatement, je prends 4. Ah non, mais quoi qu'il arrive, j'en perds 6. Ouais. Non, mais voilà. Hein. Peut booster. Ah oui, par contre, tu peux booster. Oui, pardon. Tu peux te sauver. Oui, exact. Je te donne l'opportunité de te booster. Bien sûr qu'on va faire ça. Ah oui, et du coup, j'ai révélé mes plans machiavéliques. C'est pas grave. Bon, bah, je voulais l'utiliser, mais on va l'utiliser pour booster. Hein. Ouais. Bon, alors, immédiatement, votre adversaire peut booster sa carte. Je booste ma carte à 3. Ouais. Donc, normalement, je suis censée prendre 3. 6. Ouais, donc tu prends 3. Donc, je prendrai que 3. Normalement, oui. Tu gardes d'abord tes points. Donc là, je monte mes points. Immédiatement. Voilà, le génie récupère. Tu te mets à 6. Faisons-le dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Immédiatement, j'ai pris. Tu Après, perds. 3. Je perds 3. Et donc, je suis à 3. Et moi, je gagne une carte parce que c'est mon boost. Peut-être j'ai pas mouru tout de suite. Bah et non. Et peut-être ça va se passer. C'est mais regarde pas mort, ce que j'ai dû enlever. Ah, oh, c'est terrible hein, ce qui se passe ici. Bon, vous m'en voir quelle est cette incroyable non, carte. T'as pas besoin de la regarder. Non, mais je l'ai déjà vue, mais. Ah oui, c'est vrai. Donc, gagnez une action et choisissez un effet entre les 3 suivants. Jusqu'à la fin de votre tour, la valeur de vos cartes est de 4 et ne peut pas être modifiée. Ça, c'est terrible. Chacun de vos adversaires se défausse de 2 cartes ou piochez 5 cartes. C'est terrible, sur terrible, sur terrible. Du coup, je suis ravie qu'elle soit dans sa défausse. À toi! Attends. N'empêche que voilà quoi. Encore une fois, hein. Marion, elle dit t'as combien oui, blablabli, blablablou, et puis ouais, c'est elle qui va me la mettre là. À l'envers à la dernière minute. Hein. On connaît, hein. On connaît le personnage, l'affreux personnage. Ouais, c'est vrai. Combien de cartes en main t'as ? 3. Pourquoi tu me demandes tout le temps ça ? Pour savoir à quel moment je peux les enlever de ta main. Ah, tu veux me faire des... Au début de votre tour, je peux défausser pour gagner une action. Mmh, tu peux J'ai faire envie ça. De le faire. Mmh.
pense qu'elle va vraiment en profiter pour me taper dessus. Hein. J'en ai marre. Je crois que je vais me faire taper dessus. Hein. Ok. Je tape. Bien sûr. Bien sûr que tu tapes. Ah putain. Pardon. C'est un peu ce que je pense. Oh là 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 là, c'est terrible ce qui se passe ici. On aura fait tout le paquet de cartes, hein, vous ne tenez pas. Allez, je fais ça. Et je booste. Je peux en effet booster et je trouve ça assez rigolo de booster sur ce cas-là. Okay. Donc, je booste ma défense. Donc c'est bon. Je suis partout. Ça fait que j'inflige 2 dégâts à n'importe quel combattant. Donc tu passes à 1. En fait, c'est pour t'inciter à ne pas m'attaquer parce que tu vas peut-être mourir en m'attaquant. Tu vois ce que je veux c'est dire? C'est bon, tu l'as plus cette carte-là. Je sais pas. Je l'avais un peu oubliée. Tac, tac, tac. Placez votre combattant sur n'importe quelle case. Ça, c'est ma seconde action. Bah, vas-y. Écoutez. Je suis un affreux personnage. Je vais mettre... Attends, t'as combien d'actions encore? Là, c'est ma première. Et j'en ai encore 2, du coup. Oh là là, c'est beaucoup, ça, 2. Sur n'importe quelle case. Ben, si seulement ça pouvait être mon nombre si de points possible, de vie. Une case loin de toi, quoi. C'est rare, les rage kits en live. Ouais, vous allez avoir le cas. Vas-y, faut que je me mette sur une case un peu peinardo comme un renardo. Celle-ci, elle est pas mal tranquillou. Ah non, elle est pas tranquillou du tout, en fait. En fait, tu peux vraiment m'attaquer de partout parce que t'es un méchant personnage. Ça va, j'ai un point de vie. Oui, c'est vrai. Attention, qu'il s'y frotte, s'y pique. Bon, du coup, je ne peux pas infliger un dégât à un combattant adjacent. Nous allons faire une manœuvre. Oh, ça va? Oui. Cache-toi derrière, Bess. Il met ça dans ta défausse. Dans ma manœuvre, je vais... faire 1, 2. Et je vais... Attends, t'es où, là? Bah, tu peux m'attaquer. C'est bon. Oui, non, mais je regardais Bess quand est-ce qu'elle pouvait revenir, mais tu peux revenir, c'est pas grave. Je suis prête. C'est vrai? Je t'attaque. Bah, je prends les dégâts. Attends. Bah, de toute façon, j'aurais joué celle-là, mais... Tu prends les dégâts, donc tu prends 3. Ouais. Après le combat, si vous avez remporté le combat, vous pouvez vous déposer de 2 cartes pour gagner une action. Oh! Franchement. Quelle coquine! Franchement, attends. Oh, si elle a un... Bref. Ça peut être terrible ce qui se passe ici. Peut-être. Peut-être je le fais pas. Peut-être tu peux gagner, en fait. Peut-être je le fais pas parce que moi, j'ai plus de cartes que toi. Peut-être tu le fais pas parce que t'as pas de cartes. Est-ce que c'était ma troisième action, celle-là? Oui, parce que tu t'es déplacée. Oui, c'est vrai. À toi. Ok, les gars. Ça part. Sauf que le problème, les gars, c'est que... C'est pas si simple. Je fais une manœuvre. Cette manœuvre, je... Purée de pommes de terre, hein. Ça m'énerve, les amis. J'aimerais bien l'attaquer, là. Bah vas-y, puis booste. Mais le problème, c'est qu'il faut que je booste mon déplacement pour pouvoir l'atteindre. Cet affreux personnage. Et du coup, ça fait que j'ai que 2 cartes, les gars. Donc oui, c'est super tendu. C'est super tendu. Mais en même temps, après, elle va m'attaquer. Oui. J'ai envie de pleurer. Vous savez quoi? J'ai envie de pleurer. Voilà ce qui se passe. Vous savez tout maintenant. Ok. Est-ce que ce serait pas le grand moment de Bess? Le grand comeback. Merci de souligner qu'une partie peut durer 20 minutes. Là où une autre peut durer une heure. Ah non, mais de toute façon, en fait, c'est ça le problème. Là. Ouais, oui, c'est ça le problème. C'est que je suis obligée. Non, Bess, elle peut rien faire. T'es là. Léo, excuse-moi. Je t'ai rien fait, hein. Tu te calmes. Si, tu... Si,
si, c'est terrible. Ok. Non, mais vous savez quoi? On va jouer le two for the two. Everything for everything. Je... J'utilise ma capacité roi de l'évasion. Je booste mon déplacement pour pouvoir aller n'importe où. En boostant, j'utilise mon pouvoir de boost qui est de piocher une carte. Vous savez quoi? C'est quoi le pire à ce moment-là? C'est quoi le pire? C'est que je suis quasi persuadée de ne pas avoir perdu. Ah bon? Quasi, hein. Mais c'est horrible ce que tu dis. Ah, peut-être j'ai un peu méchante. Pour me faire peur et tout. Elle est terrible psychologiquement. Oui, il ne reste qu'une carte pire, dans la pioche. Vous ne vous rendez pas compte. Hein. Psychologiquement, elle bon, elle tu m'attaques et tu boostes, c'est ça? Je fais ce que je veux, madame. En tout cas, je t'attaque. Là, j'ai plus le choix. Hein. Oh non, c'est pas possible ça, madame. Vous n'avez pas le droit de jouer une feinte. Si, c'est maintenant qu'il fallait la jouer. Donc tu ne peux pas déplacer un de tes combattants d'une case de ma figure, ni piocher une carte, ni gagner une action. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et moi, du coup, je fais une manœuvre. Ah là là. Et moi, j'ai plus qu'une carte dans ma pioche. Un, deux, trois. Non, là, tout simplement, ça suffit. T'es quoi? Attends. Parce que j'ai pas pensé. Ouais. J'aurais dû être maline. Mais doute. Comme je l'ai pas fait. Ouais, oui. Ah oui, t'as rajouté une action. Too late. Oh non, pas tant too late que ça du tout. On va attaquer. Bah oui. Bah vas-y, je prends les dégâts. Donc tu prends moi. Purée, et t'as le droit de piocher ta carte. Oh, merci Marion. Purée, mais quelle générosité. 1, 2, 3. Il m'en reste encore 2. Hein, voilà. Qu'est-ce que je dis? Générosité. Vas-y, attaque. C'est à moi. À chaque fois qu'elle doit piocher, elle prendra 2 dégâts. Exactement. Ah, c'est nul comme façon de perdre. C'est nul. T'as voulu booster. Moi, c'est tout. Qu'est-ce que je dis, hein? C'est nul. Regardez, je ne peux pas l'atteindre. Alors, tu joues? Je joue. J'ai l'impression d'être dans Kill Bill, là. Le mec qui fait ses derniers pas, là, qui meurt. Ouais. Là, c'est ce qui va se passer. Regardez, je vais me lever et je vais tomber. Je vais faire une manœuvre. C'est nul, hein. Franchement, t'aurais pu m'attaquer une dernière fois et tu te sens un peu vénère comme ça. Je pouvais pas, j'avais qu'une carte de défense. Je pouvais donc, même pas. Je ne peux pas attaquer Marion parce que elle est loin, elle a fui. Du coup, je fais une manœuvre. Oh tiens, je n'ai plus de carte. Je perds donc. Allez, 2 points. J'ai perdu. Et sinon, je t'aurais bien attaqué avec la petite baisse. Moi, je commence à avoir des trucs chouettes hein, à la fin du paquet. Vas-y, t'as gagné, ça m'énerve. C'était moi qui devais gagner. C'était moi. C'est du génie. Merci. C'est vrai, c'est du génie. Incroyable. En tout cas, incroyable partie. Merci Marion, j'ai beaucoup aimé cette partie. C'était incre. C'était INCR. Et c'était Houdini contre le génie. Et donc voilà, c'était Unmatched, Houdini contre le génie. Vous voyez, vous avez eu un bon aperçu puisque vous avez vu littéralement toutes les cartes, toutes nos cartes en fait. On est sur des personnages franchement très intéressants. Pas aussi insupportable que je le pensais. C'est vrai, j'avais... Insupportable, mais pas comme Charlotte, quoi. Finalement, j'avais presque plus peur d'Houdini que ça. Mais je trouve que t'as... Peut-être t'avais pas les moments, mais t'as pas, je dirais, assez utilisé Bess. Elle ouais, j'ai pas beaucoup utilisé Bess, Bess hein. Ouais. Bah, je lui ai fait quand oui, même c'est vrai l'attaque à 600. Elle est une bonne droite, c'est vrai. Ouais, franchement, quand je l'ai utilisé... Donc, une seule fois, ça m'a suffi. Mais plusieurs fois, j'aurais perdu. c'est vrai. Mais oui, elle t'a pas fait flipper, donc tu t'es pas dit même tiens pas je vais l'attaquer. Baisse.
J'avoue. C'était donc Houdini contre le génie. Bravo Marion. Le génie a donc gagné pour ce match. Gagné par épuisement. Oui, bah j'ai gagné quand même. Ça m'étonne pas du génie. Le génie, il est épuisant, genre. Mm. On espère que ça vous a plu. Cette boîte sera donc disponible dès vendredi, dès le 2 juin, en boutique. Elle complète parfaitement la gamme. Jouable avec toutes les autres boîtes, comme bien d'habitude. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu as une idée de combat incroyable avec l'un des persos ? Franchement, Houdini contre Sherlock. Ou le génie contre l'homme invisible. Enfin, il y a des trucs à faire, il y a des trucs. Ah ouais, le génie contre l'homme invisible. Ou Houdini, Houdini contre l'homme invisible. Bien sûr. Faites ce que vous voulez. Ouais, vous faites ce que vous voulez. C'est clair. À vaincre sans péril, on triomphe quand même. C'est exactement vrai. Et ben, on vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée. Oui. Puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles parties. Salut. Ciao.